Bonne nouvelle pour la bande de la diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'abord est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenerote, les managers, pour tout la bande de combo. Dans ce là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, au côté la bande de co. Au bazar, na Kinshasa, République du Congo, au bazar, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupérer, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange Manila Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami Balay, ozali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Makambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindam bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Une de l'actualité, surfacturation spectaculaire concernant les lampadaires et les forages. Le procureur général près la Cour de cassation a demandé à l'Assemblée nationale de lever les immunités parlementaires de Nicolas Kazadi pour engager des poursuites judiciaires à son encontre. Union sacrée, publication de la liste des candidats retenus pour l'élection du bureau définitif. Une requête contre l'illégalité de la démarche de l'Assemblée nationale a été initiée par les députés dits révolutionnaires. L'audience est fixée au 20 mai 2024. Annonce Steve Mbikai. La RDC veut mettre un terme à la présence des troupes ougandaises déployées en RDC dans le cadre de la lutte contre le groupe armé. La RDC reste méfiante à l'égard de l'Ouganda, accusé de soutenir les rebelles du M23. Les bourgmestres de la commune de Nsélé, Franck Mbo Nzolameso, annoncent que 15 personnes sont décédées dans un accident de circulation sur le boulevard Lumumba dans le quartier Badara tout ce matin. Le CESAC suspend à titre conservatoire pour une durée de 30 jours l'émission Bosolona politique officielle sur tous les médias opérant en RDC. Opposée à la ministre de la Justice et candidate au poste de sénateur, Madame Anne Bungouja a été finalement déclarée élue par la justice. Dans les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux sociaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer aujourd'hui en tant que responsable du pays, le président de la République et le cardinal, pour que nous puissions faire la lumière sur différents points. Cela a été un moment de clarification là où les choses sont claires. C'est avec un grand sentiment donc de satisfaction et de gratitude envers le chef de l'État. On va revenir sur cette liste de candidats de bureau définitif de l'Assemblée nationale. Voici donc les candidatures retenues à différents postes. Vital Kamerhe, le candidat unique retenu au poste de président de l'Assemblée nationale. Le professeur Jean-Claude Isaac Tshilumbayi est maintenu au poste de deuxième vice-président. Christophe Mbossio, unique candidat au poste de deuxième vice-président. Professeur Jacques Njoli, candidat rapporteur. Et Dominique Munongo Inamizi, candidate rapporteur adjoint, à côté de Constant Mutamba pour le compte de l'opposition. Le questeur aura comme candidat Chimène Polipoli Lunda de l'AFDC. Et enfin, le questeur adjoint, l'unique candidature donc de Caroline Bemba. Merci beaucoup de nous faire confiance, mesdames et messieurs. On va à nouveau discuter de cette thématique qu'on a entamée depuis la semaine dernière, celle justement de la révision ou du changement de la Constitution. Est-ce opportun pour le moment de penser à cette démarche qui aussi est constitutionnelle, on va le dire. Réviser la Constitution, la démarche est déjà prévue par la Constitution. Voilà, deux invités sur ce plateau que vous connaissez très bien, que je vais quand même vous présenter à nouveau. Bon, commençons par ma droite, ma gauche plutôt, Maître Passim Bayo. Vous êtes cadre de l'UDPS Tshisekedi. Au cadre de l'UDPS Tshisekedi, vous êtes également enseignant à l'université, dans le cours de... Oui. Vous connaissez le droit à l'université, mais nous vous recevons plus particulièrement dans le cadre de votre casquette d'enseignant. À l'université pour parler de cette question de révision constitutionnelle, hein, parce qu'on veut un débat spécialement scientifique. Bienvenue, Maître Passim Bayo. Toujours pas oublié que je suis président national de la COPOP. Ah oui,
qui est cette structure aussi pépinière importante de l'UDOPES sur toute l'étendue de la République et dans la diaspora. Donc voilà, en toute sympathie, nous sommes le 17 mai. C'est une date historique. Je me rappelle qu'avant 17 mai, le 9 avril, j'ai eu à transporter quelques armes de Kadogo pendant qu'ils entraient dans la ville de Lubumbashi. Et qu'en ce jour, c'est resté une date commémorative, un peu comme dédiée à notre armée qui remplaçait la date du Zaïr, celle du 24 novembre. 24 novembre, tout comme 17 avril, ça fait un seul panier, en ce sens qu'il s'agit de la République, mais un biscuit que je peux lâcher tout de suite, que il y a eu beaucoup de spéculations, ça n'a rien à faire avec notre débat académicien que nous allons ouvrir tout à l'heure, que le cardinal que j'ai traité de pro-Kagame et rwandophile avait tenu des propos qui ont compliqué la tâche à la diplomatie congolaise, on ne vous le dira jamais, en ce sens qu'il a lâché des propos du genre que l'État congolais serait en train de financer et de soutenir les FDLR, les Interahamwe et tout ce qu'on raconte là. Et que le fait pour lui de s'être rendu au pays du président de la République pour présenter son mea culpa, ça reste une question politique. Je sais qu'il a compris que judiciairement parlant, même un simple magistrat près le tribunal de paix peut l'entendre. Déjà l'autorisation est déjà en marche. Bref, je disais que le seul souhait, puisque la justice est rendue au nom du peuple congolais, voilà la différence que nous voulons prouver aujourd'hui, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Et les décisions sont exécutées au nom du président de la République. Par toute voie de conséquence, l'état de droit veut que quand un cardinal s'excuse, on a le cas sous examen, cela n'exclut pas le parquet de continuer les poursuites. Nous voulons y voir clair qu'ils nous disent comment a-t-il vu l'argent, les armes, les munitions que l'État congolais avait mis à la disposition des FDLR et des Interahamwe. C'est très important. Vous comprendrez pourquoi dans l'histoire de ce pays, les cardinaux ont eu des problèmes avec tout le régime. Je rappelle que le 25 décembre 1960, en pleine homélie, le cardinal Malula a traité Lumumba de fils du diable. Et en 61, quand il est assassiné, même quand le maréchal accède au pouvoir, ils se sont mis à acclamer. Comme personne n'a la maîtrise de l'avenir, le même cardinal qui traitait Lumumba de fils du diable s'est trouvé vers les années 70 aux antipodes avec le maréchal et qui l'a ridiculisé comme plus jamais dans l'histoire. L'arrestation voilà. Du cardinal ou les poursuites risquent de rester sans conséquences au niveau social. Mais c'est ce que je dis. Non, je dis, le peuple n'est pas l'Église. Les réactions déjà qu'on a suivies de par le monde, l'épiscopat de Centrafrique, du Togo, de l'Afrique de l'Ouest. Tu sais pourquoi il n'y a pas eu l'épiscopat de Brazzaville? Tout message de sympathie, ça reste que de... Ce sont des messages de sympathie, ça reste des messages de sympathie. Mais ici, il s'agit du droit judiciaire souverain d'un pays. Voilà pourquoi le traité de siège entre le Congo et le Vatican, il est dit que le cardinal ou un prélat ne peut être poursuivi que sous autorisation du procureur général. Mais dans le cas sous examen, c'est le même procureur général censé autoriser les poursuites qui les a ouverts ou qui les a fait ouvrir. Donc il ne faudra pas que nos amis du Kenya, dont le président est hypocrite, tiennent un discours en faveur d'un cardinal qui est le nôtre, à qui nous reprochons des propos infractionnels dans sa verbomanie. Et donc, la Centrafrique est un pays devenu poudrière. Je crois que ce cardinal de la Centrafrique devait s'occuper de la situation de son pays qui est sous perfusion, au lieu de venir s'intéresser dans les oignons d'un grand pays dont ils tiennent tous le para. Merci beaucoup, Maître Passy Mbayo. Alors, en face de vous, c'est Maître Martin Milolo. Martin Milolo, vous êtes également enseignant à l'université, doctorant. Donc, bienvenue également à cette émission, Grande Tribune. Merci beaucoup, Dan, pour la deuxième invitation. Et merci
Pour l'accueil, je voudrais avoir une pensée pour nos frères et sœurs qui sont tombés, c'est pas hier ou ce matin, dans un accident que vous avez annoncé ici. Ce sont des morts de trop, mais le problème reste global, c'est un problème de la sécurité routière, la sécurité des transports en général, parce que il y a moins de mois, on connaissait déjà les naufrages sur la rivière Oubangui. On connaissait aussi, avant cela, on a eu les naufrages sur le fleuve Congo, le baleinière qui partait vers Mbandaka. Et de temps en temps, on connaît beaucoup d'accidents sur les routes du Congo. Cela impose aux gouvernants, à ceux qui ont la charge de pouvoir réguler la circulation, de pouvoir gouverner le transport des personnes et de leurs biens, d'essayer de revoir la politique de transport, la politique de circulation, même ici à Kinshasa. Donc la question des transports est devenue un problème vraiment insupportable. En tout cas, il est devenu vraiment difficile de pouvoir dire que vous quittez chez vous et vous allez y rentrer sain et sauf. Et donc c'est vraiment une interpellation, que cela ne devienne pas des habitudes pour nos autorités, qu'ils puissent arriver à pouvoir prendre des mesures. J'ai appris que cet accident a mis en contact un bus transportant des personnes et un camion remorque, alors qu'il y a eu, je crois, un arrêté ici dans la ville de Kinshasa, interdisant la circulation de véhicules remorques pendant certaines heures dans la ville. Et cela n'est pas respecté. Je ne sais pas si il faut aussi revoir cet arrêté-là, comme on veut aussi revoir la Constitution, parce que nous avons des textes, et lorsqu'on ne les respecte pas, la solution c'est soit les changer, soit les réviser. Et donc, pour revenir aussi à l'actualité, moi je voudrais réitérer notre soutien au cardinal, parce que le cardinal est en réalité le porte-parole de la population. Le cardinal, en tant que pasteur de l'Église, de la population, ne fait que canaliser les mots que vivent la population pour les présenter. Et donc, je ne pense pas que... Il reste citoyen congolais. Oui, il reste citoyen congolais. Justiciable. Et justiciable, bien sûr, mais il n'y a rien d'infractionnel dans ce qu'il a dit. Mais même s'il y aurait quelque chose qui aurait été les sensibilités des uns et des autres, je me rappelle à l'époque où nous avions... Papa Étienne Tshisekedi dans ces pays, il y avait aussi des poursuites contre lui. À un moment donné, je me souviens, il y avait même un procureur général de la République qui parlait de l'inopportunité des poursuites. L'opportunité et l'inopportunité des poursuites. Dans le cas du cardinal, on peut parler aussi de... On peut parler aussi de... Est-ce qu'il y a l'opportunité de... Parce que le cardinal reste un citoyen, mais ce n'est pas un citoyen ordinaire. C'est un citoyen... Extraordinaire. C'est un citoyen qui a la charge d'une institution dans notre pays qui s'appelle Église. Et donc, ce n'est pas... C'est à la justice de pouvoir... Oui, c'est à la justice, mais nous pensons qu'il n'y a pas opportunité à remuer les couteaux dans la plaie. Je salue la sagesse du président de la République qui a voulu rencontrer le cardinal pour que, en tout cas, en tant que des personnalités de notre pays, parce que les voix de deux comptent. Et donc, pour qu'il puisse clarifier cela, je pense que on devrait plus aller dans le sens de les encourager à consolider ce qu'ils ont commencé. Parce que affronter l'Église dans ces pays, il y a des régimes qui en connaissent quelque chose. Et donc, je pense qu'on a plus
besoin de la sérénité, de nous occuper de questions de la misère de la population, de la guerre à l'Est, que de, en tout cas, essayer encore de revenir sur les questions qui peuvent faire revivre encore les tensions. Lorsque l'Afrique parle, merci on parle beaucoup. De merci Centrafrique, on doit, ceci. On doit avancer. Oui, donc merci beaucoup. Quand même merci, beaucoup. Biscuit, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais quand même fixer un élément à mon collègue, collègue et confrère, oui. Que le cardinal n'a jamais été le porte-parole de la population. Puisque vous êtes sans non, savoir. C'est moi qui l'ai dit. Ça, c'est moi qui le dis. Oui, mais je ne peux pas non plus laisser passer cela dans l'opinion. Oui, en tant que pasteur, il est porte-parole de ses brebis à lui. Il est porté. Et puis en plus, il doit nous présenter le mandat que ces brebis lui ont accordé. Puisque dans l'Église catholique, il y a les gens de toutes les tendances politiques. Rappelez-vous qu'Abou disait en son temps que nous donnions 50% des militants aux manifestations lorsque nos intérêts étaient ensemble avec. Disons les prélats qui étaient intéressés par le combat politique de l'époque, puisque ce ne sont pas tous les prêtres qui étaient intéressés. J'ai même regretté de voir que sous Kabila ils ont été fouettés, déshabillés en public. C'était inacceptable. Mais quant à dire qu'il est porte-parole de la population, c'est inacceptable. Il n'a jamais été porte-parole. En plus, il connaît très bien la différence entre le peuple et la population dans le cas sous examen. Et puis je dis tout de suite que quand il dit que, ben écoutez, le président République, il salue la sagesse du président République d'exprimer le désir de parler avec le cardinal, non, mais il ne faut pas changer de choses de manière asymétrique. C'est le cardinal, c'est 100 ans coincé. Qui a demandé audience. L'audience voulant se rendre dernièrement là, déjà à l'aéroport, il a ramassé des pépins. Il s'est dit, non, dans le cas sous examen, j'ai l'impression que le régime en place est différent de celui du maréchal, il est différent de celui de Kabila. Beaucoup plus brutal. Mais oui, puisque nous, nous venons de la rue. Nous venons de la rue. Je vous ai laissé parler quand vous parlez. Le MPR est un parti politique pouvoiriste. Le PPRD était un parti politique pouvoiriste. Mais nous, nous sommes un parti politique de la rue. Contestataire et protestataire par nature. Bien que vous acclamiez hier ce que l'Église catholique disait quand. On avait le même centre d'intérêt, je le dis. J'ai dit que les prélats catholiques, ceux qui sont engagés en politique, et nous, on avait un même centre d'intérêt. Mais maintenant, on n'a plus le même centre d'intérêt. Voilà pourquoi, dans les tergiversations langagères du cardinal, toute honte bue, il a estimé qu'il fallait. Qu'il remette en cause lui-même ses propos tenus à la chair, quand il présente ça avec légèreté, ça veut dire qu'il admet même qu'au nom de l'Église, qu'il crache sur nos morts. Tu vois? Puisque tous ceux qui continuent à mourir, là, je t'ai dit autrefois que dans les camps des déplacés, c'est 10 personnes qui meurent par jour puisque l'épidémie a frappé. Il ne faut pas dire que, il ne faut pas considérer le cardinal comme l'ayatollah Khomeini en Iran, ou quand il merci décide beaucoup. Que 30 missiles aillent bombarder Israël. Lui qui est une autorité religieuse, ça s'est fait, et que lui pense qu'il se comporterait comme ça dans un pays démocratique où la démocratie signifie autant la dictature de la loi, autant le contradictoire est inévitable. Merci. Donc nous disons, dans la logique de la paix, ce n'est pas cet échange que le cardinal a eu avec le président de la République qui peut effacer les poursuites. Non, le débat sur l'inopportunité et l'opportunité de poursuite est un débat qui tient compte des sûretés publiques, etc., etc. Mais quand il s'agit d'un prélat qui dirige des brebis, qui sont multitendances, opposition, mouvance, société civile, etc., etc., il ne peut pas se bomber les torses pour cela. Simplement qu'il a compris qu'il était important qu'il fasse son mea culpa, et que voilà que l'orgueil précède la chute. Merci beaucoup à tous les deux, messieurs, mais on va prendre rapidement notre sujet du jour. Je ne veux pas que nous puissions nous étendre beaucoup sur cette thématique-là, parce que ce n'est pas ce qui est prévu au cours de cette émission. Alors, changement ou révision de la Constitution, doit-on réellement aller sur cette piste? Vous avez lancé une campagne, touche pas ma Constitution, la Constitution est sacrée, vous êtes un radicaliste, comme on peut le dire. Donc, vous êtes en même temps
contre la révision et contre le changement de la Constitution. Vous ne pensez pas que c'est pas... Vous pensez que c'est pas le moment de parler de cette question. Alors dites-nous, pourquoi vous pensez que ce n'est ni le moment ni l'opportunité de pouvoir lancer dans cette campagne? Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par le préambule de cette Constitution. Avant de parler de notre campagne, mais aussi de l'inopportunité de toucher à la Constitution, révision ou changement. La Constitution commence, le préambule commence par ceci. Nous, peuple congolais, je m'arrête là. Ce qui veut dire que cette Constitution, c'est la Constitution du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui l'a adopté par référendum les 18 et 19 décembre 2005, avant que le président puisse la promulguer le 18 février 2006. Et c'est une des meilleures, sinon la meilleure constitution de l'histoire de notre pays. Parce que c'est une constitution qui non seulement traduit le pacte républicain, c'est une constitution qui consacre la démocratisation, c'est une constitution qui nous a doté des institutions stables qui permettent qu'aujourd'hui qu'on puisse parler de la RDC comme un État moderne. Nous avons lancé la campagne de « Ne touche pas la Constitution » avant-hier avec la société civile, les acteurs. En fait, c'est une campagne citoyenne. Nous l'avons appelée campagne citoyenne pour la défense de la Constitution. Tout le monde est bienvenu dans cette Constitution parce que nous savons que même au sein de la majorité présidentielle, il y a les gens qui s'opposent à la révision ou au changement de la Constitution. Mais pourquoi nous nous sommes engagés dans cette voie? Et c'est avec beaucoup de peine, avec beaucoup de regrets que nous voyons que le régime post-alternance, le régime qui a bénéficié de cette constitution, parce que parmi l'exposé des motifs de cette constitution, il y a au niveau de point 3 qui parle de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Je vous épargne des autres points, mais je vais prendre une partie qui parle les préoccupations majeures qui préside à l'organisation de ces institutions sont les suivantes. 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. 2. Éviter les conflits. 3. Instaurer l'état des droits. 4. Contrer toute tentative de dérive dictatoriale. Je vais y revenir. 5. Garantir la bonne gouvernance. Tu es sur quelle page? 6, je suis au niveau du troisième point de l'exposé des motifs. Si vous avez la constitution de la République démocratique du Congo, vous allez le voir. Et 6, lutter contre l'impunité. 7, assurer l'alternance démocratique. Aujourd'hui, le régime actuel qui a bénéficié de ce dernier point grâce à cette constitution s'aimer aujourd'hui à pouvoir s'attaquer à la Constitution. Et je voudrais aussi rappeler que le 20 janvier de cette année, le président de la République, chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, a prêté serment devant Dieu et la nation de respecter cette Constitution. Nous sommes Africains et nous sommes Congolais. On sait ce que la valeur d'un serment devant Dieu et la nation. D'accord. Et donc, on a compris. C'est dire que... La question que j'aimerais maintenant... Oui, c'est dire que cette constitution, elle est sacrée, elle est la constitution du peuple. On ne peut pas y toucher. Pourquoi on veut toucher à la constitution? Les amis disent qu'on veut toucher à la constitution parce qu'on veut passer du régime semi-présidentiel au régime présidentiel. Au régime présidentiel. On veut aussi changer la forme de l'État parce qu'on ne veut plus que le gouverneur soit élu, on veut que le gouverneur puisse être désigné. On veut aussi changer la Constitution parce qu'on reproche à l'article 217 de la Constitution qu'elle serait les leitmotivs de pays voisins pour prendre notre territoire. Le premier argument, nous disons que c'est faux. De vouloir changer, modifier la Constitution. Il ne parle même pas de la modification, il parle du changement. Parce que le président a parlé de changement de la Constitution. Alors,
à ces stades-là, déjà c'est plus grave. C'est plus grave même la révision, parce que le changement de la Constitution nous fait passer du changement des républiques. Aujourd'hui, on parle de Troisième République, on peut, et c'est un acte grave dans la vie d'une nation. Et donc, ça, c'est de un. Mais de deux. En quoi le régime semi-parlementaire est-il, ne pose-t-il pas de problème? Oui, c'est un régime équilibriste. C'est parce que nous avons tenu compte de notre histoire, non seulement politique, mais aussi de l'histoire constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Nous avons connu trois constitutions définitives, c'est-à-dire adoptées par référendum dans notre pays. La constitution du 1er août 1964, la constitution du 24 juin 1967 avec ses différentes révisions, et la troisième c'est celle-ci, du 18 février 2006. Et dans toutes ces constitutions, nous avons connu le régime parlementaire qui nous a conduit au blocage entre Kasavubu et Lumumba, le régime institué par la loi fondamentale de 1960. C'était un régime parlementaire calqué au modèle belge qui nous a posé problème, et la cohabitation n'a pas marché, il y a eu blocage. Nous venons avec la constitution du 24 juin 1967, après le coup d'état de Mobutu, on instaure le régime présidentiel qu'on veut instaurer aujourd'hui. Et où est-ce que ce régime nous a conduit? On a connu 32 ans de pouvoir sans partage, avec l'institutionnalisation d'un parti unique aux allures de l'Union Sacrée, qui a vraiment des dérives comparables au MPR aujourd'hui. Ah bon? Qui a dérivé au présidentiel. Il y a des liens, je vais vous les démontrer. Et donc, ce régime-là qui a basculé dans le présidentialisme. Mmh. Et donc, instaurer le régime présidentiel aujourd'hui, avec les dérives que nous sommes en train de connaître, c'est consacrer le présidentialisme, consacrer tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme. Alors nous, on estime que cela ne peut pas être le cas, parce que c'est une atteinte à la démocratie. La question de la forme de l'État, c'est une question crucial qui a conduit même aux sécessions dans ces pays. Et lorsqu'on a instauré le régionalisme constitutionnel avec l'autonomie politique aux institutions provinciales, ce n'est pas en vain, parce que on veut booster le développement par la base et doter la population régionale de la souveraineté de se choisir ses propres dirigeants pour qu'ils puissent aussi rendre compte. Et donc, aujourd'hui, c'est faux de dire que, voilà, on veut changer la forme de l'État. Que oui. Vous avez cité. Oui, l'article 217, si vous permettez, je vais d'abord la relire, mais comme on n'a pas... Vous allez permettre que je donne le nombre de temps à votre co-débatteur. Oui, comme on n'a pas le temps, je vais résumer. Non, allez-y. Oui, cet article dit ceci, c'est l'article 217 de cette constitution qui dit ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. On prend cet article comme cible pour justifier le changement ou la révision de la Constitution. Nous disons non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous sommes membres de l'ONU, nous sommes membres de l'Union africaine. Je vous donne un exemple. Merci. Dans le cadre des organisations internationales, il y a des organisations d'intégration. Lorsque vous êtes dans ce type d'organisation, il y a un abandon partiel des compétences nationales que vous pouvez faire. C'est notamment avec les cas de l'OADA. Vous savez qu'aujourd'hui, en matière de cassation, dans le cadre des affaires de commerce de l'OADA, la cassation, ce n'est pas ici, merci, en République démocratique du Congo, c'est à Abidjan, à la Cour commune de justice et d'arbitrage, alors que la justice fait partie du pouvoir régalien de l'État. Merci. Et donc, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre, et non dans le sens que, voilà, Kagame veut prendre notre territoire. Merci beaucoup, donc. Maître Martin Milolo, 9 minutes pour votre première prise de parole en entrée à la matière. Maître Passim Bayo, le même nombre de temps, la même question. Vous êtes oui ou non favorable à la révision ou au changement de la Constitution? D'abord, je dis que l'entrée en la matière du collègue confrère est décevante. Comment ça? Vous pouvez le prouver? Je dis que Milolo me déçoit. Comment ça? Puisque dans sa casquette d'enseignant et doctorant à la matière, et puis avocat, il ne peut pas aborder les choses de manière labyrinthe. Ça sera indigeste, puisque quand on est ici, nous dégageons de l'énergie pour éduquer l'opinion.
comprenez? La constitution à laquelle lui s'attache, moi je n'ai pas voté pour cette constitution puisque je ne m'étais pas fait enrôler en 2005. C'était aussi mon droit citoyen puisque j'étais dans un combat politique. J'estimais que le référendum du 8 décembre 2005 était un plébiscite ou un plébiscite référendaire ou un référendum plébiscitaire. En ce sens que, non seulement que l'accord global et inclusif n'avait pas été respecté, vous en voyez des conséquences jusqu'à présent, et que nous avons estimé au nom de la démocratie qui est la nôtre, et nous on était contre cette constitution. Mais quoi que nous étions contre cette constitution, elle a été amenée à un référendum. Mal organisé ou pas, mais ceux qui ont participé à ce référendum, de par les institutions, un résultat nous a été présenté par la CI de l'époque, Malou Malou, en disant qu'ils se sont prononcés majoritairement en faveur du oui. Et donc, venir ou pas, s'être abstenu ou pas, le principe dit droit à l'ex, c'est de l'ex. Lorsque Kabila a promulgué cette constitution, elle devenait erga omnes, c'est-à-dire opposable à tout le monde. C'est comme ça que opposants, tout comme mouvanciers de l'époque, société civile, etc., etc., tous étions obligés d'en tenir compte. Ouais. Alors, mais quand je l'entends parler, par rapport à la question selon laquelle êtes-vous pour le changement ou pour la révision, mais d'abord cette constitution elle-même prévoit les mécanismes, elle prévoit les voies et moyens par à travers lesquels une modification peut venir, même un changement peut venir. Mais lui parle de l'opportunité. Il n'y a pas de problème. Le débat de l'opportunité devient un débat citoyen, puisqu'il parle en tant que société civile, entre guillemets. Moi, je ne suis pas de la société civile, même si le barreau fait partie de la société civile. Mais à cette émission, je refuse de tomber dans les dédoublements fonctionnels. Je reste sur les qualités que vous avez présentées. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on fasse de la mystification dans l'opinion. Ce que vous ne vous dites pas. Oui, mais ça veut dire on vient, on présente à l'opinion un mensonge bien concocté. On dit que non, le président de la République a parlé du changement. Tous avons suivi comment les choses se sont déroulées dans la diaspora. Pourquoi il ne dit pas, il n'a pas la sincérité intellectuelle de dire à l'opinion que le président de la République a dit « Ne faites pas de moi un dictateur ». Il est vrai. Entre-temps, il a promis de mettre en place une commission. Mais je n'ai pas fini la phrase, les mots se bousculent dans la bouche pour sortir. J'ai dit qu'entre-temps, le président de la République a dit « Il est vrai que dans cette constitution, il existe effectivement des questions qui appellent à la modification. Je mettrai en place une commission qui réunira l'intelligentsia congolaise dans l'objectif de me proposer quelles sont les choses que nous pouvons changer dans cette constitution. Est-ce que le discours du président de la République signifie changement de la constitution? Puisque lui et moi, épistémologiquement, nous sommes d'accord. Le train a déjà été inventé que le changement d'une constitution est différent de la modification d'une constitution. On ne va pas entrer dans les théories de la rigidité d'une constitution ou de la rigidité sémi ou de la souplesse d'une constitution. Ce n'est pas ça le débat. Seulement que la même constitution pour laquelle nous avons été au colloque au Palais du Peuple prévoit dans son sein les mécanismes tantôt d'une nouvelle maternité, tantôt d'un amendement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous êtes... Alors, je suis pour ou je suis contre? D'abord, je ne suis pas pour le changement de cette constitution. Je suis un peu d'accord avec lui quand il dit que cette constitution a semblé réunir dans son sein quelques pratiques fédéralistes, puisque lui de PES, mon parti est fédéraliste, et que je suis fédéraliste à l'occasion, a réuni quelques éléments des unitaristes. C'est-à-dire une constitution qui essaie de mettre les différents courants ensemble. Ça, c'est la première des choses. Et donc, je ne suis pas pour le changement de cette constitution. Puisque s'il faudra qu'on change cette constitution, nous ouvrons la porte à la 4e République. Et puis, l'État congolais n'est pas disposé à changer cette constitution. Puisque lorsque nous allons dans la logique du référendum, le référendum peut nous coûter au moins 1 milliard de dollars. Puis c'est une élection consultative où le peuple vote par le oui, le non ou par l'abstinence, comme ça l'avait été en 2000,
5-18 décembre. Donc moi, je ne suis pas pour le changement. Là, c'est coûteux. Ouais. Voilà. Alors, mais quand tu as dit, est-ce que vous êtes pour la modification de la Constitution? J'ai dit oui, alors c'est un oui percutant. Pourquoi? Oui. Puisque cette Constitution a déjà été révisée quelque part. Elle a connu une modification quelque part. Dans son histoire. 2011, je crois. En 2010. 2010-2011. Et à cette époque-là, j'ai vu le débat. Député Nkoulou Mouenze qui voulait aller attaquer l'honorable député bâtonnier Jacques Chécha à l'époque, lui qui était contre la révision de cette constitution. Ça fait partie de ce qu'on appelle une émulation démocratique dans l'affaire. Mais il est tout à fait normal que dans une démocratie qu'il y ait des gens qui soient pour la révision de la constitution et des gens qui soient contre la révision de la Constitution. On ne peut pas faire du raisonnement de leur société civile. En plus, au Congo, la société civile est plurielle. Elle n'est pas monocolore. Ça voudrait dire, si leur société civile à eux ne veut pas que l'on révise la Constitution, mais moi j'ai reçu au bureau une autre lettre de la jeunesse faisant partie de la société civile qui tenait mordicus à réviser la Constitution. Et donc, je suis pour la révision constitutionnelle, je suis contre le changement de la Constitution. Alors, quant à dire Qu'il a énuméré des choses ici. Pourquoi? On a parlé des régimes. Les régimes semi-présidentiels, semi-parlementaires. Pour lui, ce régime, il est un régime qui est adapté à notre système. Les spéculations qui sont les leurs. Système de gouvernance. Moi, je vais me servir des propos du président de la République. Est-ce que vous l'avez entendu dire qu'il était pour le régime présidentiel? Vous l'avez entendu parler, se prononcer en faveur d'un quelconque régime? Non. C'est-à-dire qu'on lui prête des intentions inutilement. Et c'est le comportement moment. Mais il a dit entre-temps qu'il n'est pas normal que nous ayons pris autant de temps pour mettre en place un gouvernement. Il faudrait que nous ayons une constitution qui soit digne de nous. Mais ça, c'est le travail de l'intelligentsia congolaise qui se réunira en commission pour voir comment il faut assouplir cette procédure-là. Vous comprenez? Puisque depuis que cette constitution existe, nous prenons effectivement le temps. Le temps est aussi provoqué par... comment je veux dire, les jeux politiques, qui est un jeu politique protégé par cette constitution au nom de la démocratie. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Vous êtes élu député, la même constitution élue à la République, donne droit à ceux qui estiment qu'ils n'ont pas été élus et qu'on aurait, je ne sais pas, pris leur voix ou triché, etc., etc., d'aller en justice. Vous comprenez? Le règlement même du Parlement donne un timing à pouvoir laisser se prononcer la Cour constitutionnelle afin que l'on puisse valider toutes ces péripéties que vous connaissez là-bas. Ce sont des péripéties légales, ce sont des péripéties processuelles. Vous comprenez? Mais maintenant, le président de la République s'est dit, mais comment nous pouvons parvenir à réduire ce temps? Aujourd'hui, là, pendant que nous sommes en train de discuter, même si c'est par... Encore deux minutes. C'est par raccordement frauduleux, mais je regrette que ce soit par deux minutes, puisque vous lui avez laissé 10 minutes parler. C'est par raccordement frauduleux qu'il compare, lui, l'Union sacrée au MPR. Le MPR était un parti État. C'est après 24 avril que le MPR est devenu un parti politique concurrentiel par rapport aux autres. Mais l'Union sacrée, c'est juste une plateforme électorale. Vous comprenez? Est-ce qu'un juriste, avocat, enseignant de surcroît, peut-il enseigner à l'opinion qui nous suit des choses labyrinthes comme c'est le cas? Non, je l'invite à être précis, qu'il sache nous dire ce qui est politique, qu'il sache nous dire ce qui est juridique. Comme ça, nous allons débattre de manière Qu'est-ce que vous souhaitez potable. Qu'est-ce que vous souhaitez réviser dans... Qu'est-ce que vous souhaitez... Alors, mais écoute, si tout dépendait de moi, cette constitution a effectivement des faiblesses. Kabila, en 2018, tout son régime se rend compte que les institutions nationales sont consuméristes. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait modifier la constitution, l'a retenu à la source de 40%, n'est plus affaire de province. On l'a convertu en rétrocession de 40%. On ne peut pas se voiler la face, mon cher ami. Je parle comme un darwiniste sociétal. Au cours de l'évolution de l'histoire, les choses changent. Aussi longtemps que la société dans laquelle nous vivons n'est pas statique, mais plutôt dynamique, en perpétuel changement et en perpétuel devenir. Cette constitution, et aucune constitution au monde,
n'a tenu au cou les générations. Je vais exagérer puisque je suis dans mes minutes. Nous sommes en 1962, en France. De Gaulle constate que la France est bloquée. Terminé. S'il vous plaît, il va récupérer. Si jamais j'ai trépassé. De Gaulle constate que la France est bloquée. Pendant qu'ils sont sous la constitution de la 5e République. Laquelle 5e République est née sous De Gaulle. Alors, De Gaulle convoque l'intelligentsia française comme Fatih entrevoit. Ils se sont réunis à Saint-François-en-Laye en 1963 sur un grand thème intitulé « La démocratie à refaire ». Magistrats, avocats, ingénieurs, économistes, enseignants, etc. etc. étaient présents. Ce qui m'a plu là-dedans, c'est très important puisque nous parlons en tant qu'enseignants ici. Oui, oui, puisque lui n'est pas politique, moi je suis politique. Je refuse de porter ma casquette de politique puisque ça va créer de l'embrouillamini. Mais je dis tout de suite, un certain Pierre Fougueyolas m'a plu. Il dit que ce n'est pas le fait pour un pays d'avoir donné son adhésion à la démocratie dans son histoire qu'il a de la démocratie dans le sang. Chaque génération doit la récupérer, doit la retrouver et la réinventer à son tour. Et donc, pour sortir les générations de cet emprisonnement de quelques dispositions constitutionnelles, la constitution elle-même dont je parle nous donne le droit de penser à réviser quelques dispositions. Je parle du fléau, il va récupérer. Il y a un fléau selon lequel on dit non. On dit que les élections au suffrage universel direct, qu'est-ce que je dis, au second degré. Je dois être juste. Les élections gouvernorales et les élections. Je vous donnerai la parole encore. Vous allez ne vous en faites pas. C'est très important que je le dise. Les élections gouvernorales et les élections sénatoriales, même celles des bourgmestres et maires de ville, sont exposées à la corruption, ce qui n'est pas une déclaration totalement fausse. Bon, lorsque nous constatons qu'il y a un mal dans la société. Le caractère téléologique juridique veut que lorsqu'on constate un mal en société, qu'est-ce qu'on fait? La loi doit parler. Et dans le cas sous examen, si on peut taire ce suffrage universel indirect, merci, puisque la Constitution n'interdit pas, la Constitution nous interdit de toucher simplement au suffrage universel. Mais quand on touche au suffrage universel indirect, ce n'est pas une faute. Nous allons annuler l'élection indirecte de gouverneur, l'élection indirecte de sénateurs. Oui. Comme ça, on va éviter cette corruption. Je t'informe que, à ce colloque où nous avons été avec lui, puisque tu as couvert ce colloque-là, oui, vous avez suivi les propos de Paluku Kawongia que j'apprécie. Il présente des réalités tout à fait praxéologiques. Comment est-ce possible que la ville est une entité décentralisée? La commune qui dépend de la ville est une autre entité qui dépend administrativement de la ville. La province. Est une autre entité décentralisée. Oui. Il va plus loin jusqu'à dire, mais on est bloqué. Vous avez 400 000 aujourd'hui élus dans la municipalité. Comment vous allez les payer? Comment vous allez les nourrir? Puisque vous, même vous déjà la caisse de péréquation que nous avons, 11 minutes déjà, elle est en souffrance. Donc je voudrais dire que le besoin praxéologique. Malheureusement, je dois vous arrêter. La praxéologie, c'est la sorcellerie des juristes. Très bien. C'est-à-dire, elle nous pousse à comprendre que la parole. Lorsqu'il y a un ça ne va pas dans un texte, merci. Comment penser résoudre la solution? Même si j'insiste que je suis contre le changement. Pour la révision. Mais que je suis pour. Merci beaucoup. L'amendement de quelques dispositions constitutionnelles et surtout que la Constitution ne l'interdit pas. Maître Martin Milolo, vous avez suivi votre. Votre co-débatteur, il est juste en face de vous. Vous avez compris son argumentaire. Vous ne partagez pas les mêmes points de vue en termes de révision de la Constitution, mais vous êtes tous contre le changement de la Constitution. Ça, c'est déjà un acquis. Est-ce que les arguments qu'il a avancés pour dire que le chef n'a jamais cité une quelconque disposition à réviser? Oui, merci. N'est-ce pas lui prêter des intentions qu'il n'a pas? La commission n'est même pas encore jusque-là mise en place. Qu'est-ce qui vous dit que c'était les régimes présidentiels qu'il vise, ou parlementaires, ou semi-parlementaires? Oui, merci beaucoup. Je suis très content de débattre avec mon estimé collègue et confrère. L'honnêteté intellectuelle m'oblige à le féliciter parce que c'est un co-débatteur digne. Hein, ce n'est pas parce qu'on débat que je dois remettre en cause les choses
qu'il dit, même s'ils sont scientifiquement... Merci Martin, ça me va droit au cœur que j'étais les réciproques. Alors, moi, je suis très content de pouvoir le faire avec lui. Et si les autres, hein, ses autres compagnons peuvent aussi imiter ça, ça peut être mais une bonne chose. Mais pourtant qu'ils soient avocats et enseignants comme toi et moi, je voudrais quand même revenir sur deux ou trois points que je veux. Je souligne qu'il a pris 14 minutes. Voilà. C'est l'arbitre qui me donne 11. Il n'y a pas de problème, je me souviens. C'est les jeux de la société civile, minute, l'amplification, l'alarmisme. Une minute de vérité vaut plusieurs années de mensonges. Alors, je veux revenir ici d'abord par rapport à la question de De Gaulle. Vous savez que c'est la question de la révision constitutionnelle qui a fait partie de De Gaulle. Lorsque De Gaulle a démissionné lui-même. Lorsque De Gaulle a voulu... En tout cas, tenté par l'ivresse du pouvoir, supprimer le Sénat et dans ses bras de fer, lorsque le peuple français a rejeté son projet de révision, il est parti. Non, et il donc, a démissionné. C'est une question vraiment très importante de toucher à la Constitution. Martin, s'il te plaît, la question, je voudrais que tu restes sur la vérité à l'opinion. Il faut dire que De Gaulle a démissionné en 1969. Est-ce qu'il ne faut pas dire que De Gaulle... puisque quand bon, tu dis qu'il est parti, c'est dans mon temps, s'il vous plaît. Est-ce que bon, lorsqu'on démissionne, on reste en fonction ou on part du pouvoir? C'est une question. J'ai dit qu'il est parti. Il est parti. Donc, même s'il démissionne lui-même, et donc il est donc il parti. Il est parti. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose. D'abord, lui et moi savons que. Or, c'est faux de dire que la Constitution prévoit le changement de la Constitution. Non, c'est ça même la différence entre la révision et le changement de la Constitution. Oui, oui. La révision est une opération juridique, même si elle a des motivations politiques, mais c'est un acte juridique et la révision est un mécanisme constitutionnel. Alors que le changement, c'est un acte politique. Le changement n'est pas prévu dans la Constitution. Qui peut initier le changement de la Constitution? Pardon? Qui sont... habilité à... Oui, le changement de la Constitution, c'est un acte que la nation tout entière... Mais je t'ai vu tenir la loi, la loi, là. Oui, j'ai la Constitution avec moi. Oui, mais tu peux nous donner la Constitution. La Constitution, le changement de la Constitution, c'est un acte politique pris par la nation dans son ensemble. C'est pas parce que la pas le peuple. Cette constitution n'est pas non la le peuple représente la nation parce que le peuple c'est la population est existante, même si la nation englobe les vivants, les morts et les personnes à venir, mais le peuple représente agit au nom de la nation dans les temps au moment où on agit. Et donc on peut y revenir. Je te dis simplement constitutionnaliste. Tout... Non, s'il vous plaît, vous allez revenir, mais je voudrais le peuple est différent d'une nation. Je ne dis pas que c'est la même chose. Le peuple est différent de la population, de la nation, mais je dis le peuple est dans la nation parce que c'est le peuple qui représente la nation au moment où il faut agir, parce que la nation est composée des vivants, des morts et des personnes à venir. Je vais revenir là-dessus pour élaguer ce malentendu sur le changement de la Constitution. Donc le changement, ce n'est pas un acte d'une personne ou de quelqu'un qui prend l'initiative de changer la Constitution, alors que la révision énumère les institutions ou les entités habilitées à prendre l'initiative. Voilà pourquoi l'article 218 de cette Constitution parle de l'initiative de ceux qui peuvent initier la révision. L'article 218 dit « L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération du Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement, à une fraction du peuple. » Voilà pourquoi en droit constitutionnel, on parle de projet de révision constitutionnelle lorsque l'initiative vient de l'exécutif, président ou gouvernement, proposition de la révision lorsque ça vient du Parlement et pétition de la révision lorsque ça vient d'une fraction du peuple. Nulle part on parle de changement de la Constitution. Ce n'est pas prévu. Par la Constitution. Par la Constitution, parce que la Constitution ne peut pas le prévoir. Parce que le changement de la Constitution vous fait quitter d'une Constitution à une autre. Lorsqu'on passe à une autre Constitution, la Constitution ancienne
et balayer, donc ça n'a rien à voir. Et c'est un acte, politique grave. Voilà pourquoi je dis que la révision constitutionnelle fait partie du droit constitutionnel, alors que le changement de la constitution fait partie de la science politique. Parce que là, ça revient de la politique et des faits. Et donc, cela doit être dit. Et il y a aussi la question de... voilà, là où il me rejoint aussi pour la révision constitutionnelle. Oui, la Constitution prévoit la révision de la Constitution. Et je dois ici dire que la Constitution ici est révisable. Mais pourquoi nous, on s'oppose à la révision qu'on propose? D'ailleurs, je vais revenir pour dire que le président ou ceux qui sont de l'autre côté qui parlent de toucher à la Constitution ne parle pas de la révision. Je suis heureux de l'apprendre de lui. Peut-être il parle plus du changement de la Constitution. Pourquoi il le dit? Est-ce que vous pouvez nous donner ne fût-ce que deux noms des gens qui parlent du changement? Oui, mais nous étions ici la fois dernière, la première émission qu'on a faite ici avec vous. On avait le partisan de notre l'Union sacrée. De notre de l'Union sacrée qui a dit que, et c'est ça même l'argument principal qui fonde ça. Ils disent que si on veut réviser la Constitution, les matières que nous voulons réviser sont non révisables dans cette Constitution. Voilà pourquoi nous voulons quitter cette Constitution pour aller à une autre. Parce que même quand mon cher collègue, j'admire beaucoup, revient sur cette question. Mais la matière dont on parle, dont on veut réviser, et quand tu dis que, même quand vous m'avez posé la question, où est-ce que le président a parlé du changement du régime? Mais lorsque le président, par exemple, dit que j'ai prêté serment le 20 janvier, et que, vous voyez, on a passé du temps pendant que le gouvernement... Mais votre débatteur en face parle on peut faire en place ça, c'est un mécanisme pour réduire le temps. Non, ce n'est pas... Tout est dit là-dedans. Tout est dit. Pourquoi on l'est dit? Oui. Cette question-là est revenue. Pourquoi? Parce qu'on a fait la comparaison avec ce qui s'est passé au Sénégal. Où on disait que voilà, à peine élu, il a eu tout ça, alors que là-bas, ils ont ils font les choses d'une autre manière. Voilà pourquoi les amis voudraient changer le régime présidentiel et semi-présidentiel pour le régime présidentiel. Mais nous, nous disons ceci. Les amis, c'est qui c'est nous. Nous, nous disons oui. Mais je vais dire le contraire ici. L'argument en général. Ici, cette émission que nous faisons avec vous, je vous informe que c'est la deuxième sur la thématique. Si, mais tu ne peux pas faire de la liberté d'expression des autres. Peut-être qu'il est important que vous puissiez d'abord vous mettre d'accord au sein de dans votre famille pour nous dire exactement. Mais ce que nous prenons, au moins, vous pouvez prendre la vidéo du président qui circule sur YouTube, son interview à Deutsche Welle. Et il parle du changement. Non, s'il vous plaît. On peut trouver ça sur YouTube. Attendez. Alors, le chef de l'État a parlé du changement. Il a sorti le mot changement. Le chef a cité le mot changement. On peut chercher si vous le permettez. Mais je vais sortir ça. Dans une interview accordée quand il était en Allemagne. Dans l'une des interviews. Mais je ne sais pas si. Je dois trouver ça. Parce que je dois trouver parce que je trouve que c'est vraiment... je dois trouver pour vous Il faut éviter des imputations. Maintenant. Alors, cher collègue... Je te conseille de parler au conditionnel puisque... J'ai l'impression que tu es en train de rouler à tombeau ouvert. Laissez-moi vous trouver cette... Ça va nous prendre peut-être du temps. Bon, ça va nous prendre du temps, mais pendant qu'il sera en train de parler, je vais chercher ça. Il n'y a pas de problème. Mais je voudrais revenir... vous avez déjà pris... Oui, je vais chuter. Je vais chuter pour... d'ailleurs, je ne suis pas là à 11 minutes parce que l'autre fois, il a pris 11 minutes. L'ami parle de la révision... Mais dans cette constitution, il y a deux catégories de matières. Il y a des matières révisables et les matières non révisables. Lorsque il parle de la révision, mais c'est justement sur les matières non révisables qu'il veut le toucher. Et ça, ce n'est pas possible. Lorsqu'il parle, par exemple, lorsqu'il parle de la modification des suffrages au niveau des élections provinciales. Parce que, je ne sais pas, l'élection, tout ce qui concerne le mode de désignation,
des animateurs des institutions provinciales, c'est une question réservée à l'autonomie politique de la population provinciale. Je vous lis l'article 220. Je vous lis l'article 220. L'article 220, alinéa 2, dit ceci. Est formellement interdit de toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités décentralisées. Le mode de désignation des animateurs des institutions provinciales, c'est une prérogative reconnue aux provinces. C'est en réalité, c'est une prérogative reconnue à la population de cette province parce que c'est cette population qui bénéficie de cette autonomie politique dont on parle. Merci. Dans le cadre de ces régionalismes. Merci. Je vais chuter pour dire qu'il a parlé de la révision de 2011. Nous avons dénoncé cette révision parce que cette révision a élargi le pouvoir du président de la République. D'accord. Sur les institutions dotées de l'autonomie politique. Merci beaucoup. En relevant le gouverneur ou en dissolvant l'Assemblée provinciale en cas d'une crise dont le président seul a le secret de l'appréciation. Nous disons que ces matières-là sont des matières non révisables, protégées par l'article 220 et ça ne peut pas faire l'objet d'aucune révision. D'accord. Voilà pourquoi nous nous opposons à la révision, et je suis aussi d'accord qu'il est d'accord avec moi qu'on s'oppose au changement. De la Constitution. Maître Passim Bayo, l'Union sacrée de la Nation, on ne sait pas exactement ce que vous souhaitez précisément réviser. Quand on suit certains analystes politiques, certains juristes de l'Union sacrée de renom, tels que vous, vous parlez de mode de désignation des gouverneurs, de provinces, même des sénateurs. Quand on suit certains, d'autres parlent du changement de la Constitution, auquel vous êtes opposé. Donc, pour le moment, on va dire que, au sein de la famille politique, vous ne vous êtes pas encore mis d'accord sur quelle matière exactement réviser cette Constitution. Bon, écoutez, tu sais, je t'ai dit que Martin est enceinte, mais il a des problèmes de maternité. Va-t-il accoucher par césarienne ? Y aura-t-il déchirure ou par la voie normale? Il a toute la matière avec lui. Mais je suis très dérangé de voir qu'il fouille la matière la plus évidente, mais il va se fourvoyer, il va s'empiffrer dans des considérations de la société civile. Moi, je ne suis pas contre la société civile plurielle congolaise. On l'appelle en sciences démocratiques le chien de garde de la démocratie. Et donc, si lui veut parler en tant que société civile, dans ce sens-là, je l'en concède. Mais il doit dire des choses qui tiennent debout. Première des choses, Martin et moi sommes enseignants et avocats. Nous connaissons ce qu'on appelle l'imputation dommageable. Vous ne pouvez pas être sur un plateau de télévision comme celui-ci, dire que le président de la République, de sa propre bouche, a parlé du changement. Voilà l'arbitre que vous êtes. Vous lui avez posé la question de savoir... Êtes-vous sûr que le président de la République a parlé du changement? Deuxième des choses, au nom de la liberté de penser en démocratie, si ceux de la diaspora ont utilisé comme expression « changement de constitution », c'est leur droit. Peut-être que pour eux, changement pourrait signifier amendement, ça pourrait signifier révision. Et puis, troisième des choses, la même constitution dit par exemple qu'on ne peut pas réviser la constitution pendant l'état de siège. L'état de siège. On est en plein. Encore, il faut savoir en sciences constitutionnelles s'il s'agit de l'état de siège total et globalisant ou de l'état de siège partiel dont parlerait la Constitution. Là, il revient à la Cour constitutionnelle de nous en donner explication. Vous comprenez? Ce n'est pas ça le débat du jour. Ça voudrait dire, dès lors que nous continuons à nous battre contre Kagame et contre Museveni à l'Est, il n'est pas question de réviser la Constitution. Je prends pour exemple le cas de mon aîné Denis Sessanga. Il avait déposé toute une panoplie des éléments à réviser. Lui-même, par la suite, il passe sur un plateau de télévision où il dit que... Il a même tweeté. Il dit, nous avons estimé que le dépôt que nous avons eu à faire
était pendant l'état de siège, cependant que la Constitution interdit tout amendement pendant l'état de siège. Donc tout ce qu'ils font là-bas, c'est de la mystification, c'est de l'alarmisme inutile. Ni le chef de l'État, ni le gouvernement, ni le Parlement bicaméral, ni la société civile, personne ne peut réviser cette Constitution pendant que nous sommes en état de siège. À l'exception dont je parle de la définition de l'état de siège total ou globalisant ou partiel. Mais pour l'heure, il est vraiment une question, c'est vraiment encore flou. Flou pourquoi ? Je connais le sens de votre question, mais oui. Pourquoi c'est flou ? Oui. Puisque jusque-là, les choses ne sont qu'au niveau des discours, tantôt politiques, tantôt citoyens, tantôt démocratiques. Vous voyez un peu comment ça se passe ? Ça voudrait dire, moi, je prends parole ici pour le compte de mon parti qui est l'UDPS par exemple, mais le secrétaire général de l'UDPS, dans un lingala facile, il a répondu à cette question. Et pourquoi on veut imputer au régime en place les choses qu'il ne dit pas ? Steve Mbikai a eu à déposer aussi une proposition de modification constitutionnelle en son temps. Vu que Tshisekedi était toujours président, pourquoi ça n'a pas alarmé le monde? Et donc, je dis tout de suite que... Vous êtes opposé à la révision constitutionnelle. Je vais lire. À l'époque de Kabila, l'UDPS, vous étiez en première ligne. Vous avez même des manifestations qui étaient, on dira, chaque semaine, je crois, chaque jeudi, vous avez des manifestations. Nous nous sommes opposés. Pas, touche pas ma constitution. Mais tout à fait, tout à fait. Toute opposition. Mais je te réponds. Nous nous sommes opposés à la révision de cette constitution. Aujourd'hui, vous êtes pour? Non, écoutez, les officiels kabilistes ont rempli les plateaux de télévision. Congobeuse n'était pas encore né. Les Mirindi, tout ce que vous connaissez là-bas, ont commencé à parler même des choses intouchables, comme ils le disaient. Est-ce que démocratiquement parlant, en tant qu'opposant, nous était-il interdit de s'y opposer? Puisque eux s'opposent. Lui, il impute même des choses au chef de l'État. Est-ce que vous allez apprendre après ici? Vous êtes sûr? On va suivre. On va suivre plus tard. Maître Passy. Est-ce que après ici? Oui. Non. Est-ce qu'allez-vous apprendre ici que après cette émission, il sera assassiné? Mais tous ceux qui se sont battus contre les débordements de l'intention qu'avait la Kabila à l'époque. Vous avez vu, nous avons eu des cadavres flotter dans le fleuve. Nous avons eu des fosses communes de nos militants. Même certains de la société civile. Mais aujourd'hui, vous soutenez ce que vous dénonciez hier. Non, c'est différent. J'ai dit que c'est très différent. Et puis, je te signale que ce n'est ni Martin, collègue et confrère, ni moi, qui pouvons enlever le droit reconnu au président de la République à l'article 218. Enlever le droit reconnu au gouvernement à visite de l'article 218. Reconnu, aux deux chambres du Parlement, en vertu de 218, reconnu à 100 000 Congolais, reconnu selon l'article 218. Donc je pense qu'il faut éviter que les débats prennent la dérive d'une masturbation intellectuelle. Nous sommes dans l'obligation d'enseigner ici l'opinion que est-ce que Constitution Oyo est boi corévisama? La réponse, c'est que la Constitution autorise la révision. Merci, maître. Non, s'il te plaît, c'est très important. Non, on n'a plus le temps. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde. J'ai dit que il est tout à fait normal qu'il se soit opposé contre la révision constitutionnelle de 2010. Mais c'est déjà une jurisprudence. Il connaît l'importance d'une jurisprudence en droit, en plus en droit constitutionnel, comme c'est le cas. Et puis quand je ne sais pas, Martin aussi a des problèmes, c'est quand il fait la symbiose des sciences politiques et de droit là-dedans. Puisque ceux qui nous suivent, moi j'ai besoin que nous puissions aborder par la dialectique ou par la trilectique pour que les politologues ou sociologues se retrouvent, les juristes se retrouvent, même ceux qui n'ont pas fait ces deux sciences-là parviennent à comprendre quelque chose. Donc je conclue en disant que c'est vrai que la question du Sénégal n'a rien à faire avec la RDC. Même si nous allons en droit constitutionnel comparer, le Sénégal n'a pas la même superficie que nous. Le Sénégal n'a pas le nombre de la population que nous. Le mode de sécurité au Sénégal a des points différents du nôtre.
Vous comprenez? Le présidentialisme sénégalais est différent du semi-présidentialisme qui est chez nous. On va écouter donc, une séquence du discours du président de la République. On ne peut pas comparer. S'il a vraiment parlé du changement de la Constitution, vous avez juste, en tout cas, c'est pour finir, j'ai commencé avec vous, vous avez juste 2 minutes 30 et puis on va clore avec Maître Passy. Mais là, vous serez injuste parce que... Non, on va clore. Bon, on va clore. Comment injuste puisqu'il m'a arraché la parole? Je vais d'abord mettre... Approchez ça du micro comme ça. Changer la constitution de sorte que, déjà d'abord, ce système. Non, reprenez un peu, reprenez. Elle est prête, son programme est prêt, mais nous attendons que tout se mette en place parce que son gouvernement ne sera validé que par l'Assemblée nationale. Changer la constitution de sorte que, déjà d'abord, ce système. Vous avez compris ou je n'ai pas encore? Non, on a compris. Bon, vous avez compris où que je reprenne encore. Oui, bon, là c'est clair. Là, oui, il n'y a pas de débat. Parce que voilà pourquoi je disais. Ils vont changer sorti de la bouche. Oui, oui. C'est sorti de la bouche. À l'occasion de ce qui s'est passé en Allemagne, en France, en Belgique. Non, non, puisque lui parlait de la France. Non, non, cette interview a même le logo du média allemand Deutsche Welle. Vous pouvez vérifier, vous pouvez donner aux confrères de vérifier. Voilà pourquoi moi je suis content de débattre avec vous, parce que vous et moi, on partage les mêmes valeurs, la même discipline et tout ça. Cette même rigueur-là, je ne peux pas venir ici faire porter au président public ce qu'il n'a pas dit. Donc tout ce que j'ai dit est pesé et c'est vérifiable. Et aussi, je voudrais revenir pour dire que si nous sommes rigoureux avec l'UDPS ou le président aujourd'hui, parce que le président vient d'une machine de la démocratie, c'est Papa Étienne qui y a fait rêver beaucoup de gens dans ce pays de l'état des droits. Moi, j'ai fait beaucoup de choses sur l'état des droits, toutes mes recherches sur la Constitution et l'état des droits. Nous parlons, on est vraiment rigoureux avec ça parce qu'on dit à celui qu'on donne plus, on demande plus. Oui. On ne peut pas comparer l'incomparable. Nous sommes en train de revenir là parce que... Mais c'est écrit dans quel lui, non, ce n'est pas que c'est écrit dans quel droit. C'est ton raisonnement de la société. Parce qu'ici... Ici, l'UDPS s'est toujours présenté comme un parti démocratique. Alors, il ne faut pas... Et aussi, parlant de la jurisprudence, chers confrères, vous connaissez comment s'est fait la jurisprudence. Ce n'est pas avec une révision faite dans de mauvaises conditions qui a même violé la procédure qu'on peut parler de la jurisprudence. Et donc, ça, ce n'est pas du tout bon. Ça reste alors, vous comprenez, nous avons tous compris sur ces plateaux que... Les amis ne se sont pas mis d'accord sur ce qu'ils veulent. Mais nous retenons qu'ils veulent toucher la Constitution. Nous ne sommes même pas déjà réunis. Déjà, le président parle du changement. Lui est opposé au changement. Il parle de la révision. Merci. Quoi qu'il en soit, nous disons que le pays est agressé par le Rwanda, l'Ouganda et autres. Le pays est dans des problèmes de sécurité, ainsi de suite. Il ne faut pas toucher, parce que toucher à cette constitution, c'est toucher au pacte républicain. Très bien, merci. Qui va essayer davantage de fragiliser le pays. Et donc, nous appelons la population à adhérer à notre campagne, à pouvoir défendre cette constitution. Mais vous craignez quoi quand on dit « touche pas » Nous craignons l'instauration d'un régime présidentialiste qui va confier tous les pouvoirs entre les mains d'un seul individu, ce qui est dangereux pour notre démocratie. Nous craignons qu'on revienne sur les histoires qui touchent à la forme de l'État, parce que nous avons connu des sécessions dans ces pays à cause des problèmes qui touchent à la forme de l'État. Nous craignons qu'on puisse... ou réouvrir la question de la nationalité pour revenir à la double nationalité ou ainsi de suite avec le problème que nous avons avec le pays voisin. Nous craignons qu'on puisse nous ramener à ce que nous avons nous craignons hier. Bon, mais déjà, quand il parle de la nationalité, il tient le même langage que le président de la République, il tient le même langage que moi. Ce n'est pas important qu'on se contredise, sinon ça sera superfétatoire. Moi, je suis pour et je reste pour l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise puisque nous sommes dans un pays infiltré. Donc on est d'accord, on ne peut pas se contenir là-dessus. Mmh. Et puis deuxième des choses, c'est malhonnête pour nous intellectuels de discuter sur les matières de changement de constitution, alors qu'il est des matières qui sont, comment je vais dire, si pas inamovibles ou irrévisibles ou irrévisables. Mmh. Deuxième des choses, discutons sur les matières révisables. Vous voyez? Et puis, il y a d'autres matières qui sont déjà devenues révisables du fait de la révision de 2010. Il a lu le deuxième alinéa de l'article 220. Je peux aussi lire. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire des droits et libertés
de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Ça veut dire que les juristes sous la Kabylie ont estimé que le deuxième alinéa ne portait pas sur les matières que révisées. Dans la mesure où on reconnaît toujours aux mêmes provinces d'élire leur gouverneur, mais au suffrage direct, au suffrage universel direct. D'élire leur sénateur au suffrage universel direct. Leur, je ne sais pas, maire de ville ou bourgmestre au suffrage universel direct, pour éviter le fléau de la corruption, de la manipulation que vous connaissez. Et puis, je suis d'accord avec lui qu'il ait présenté une vidéo du président de la République qui n'a rien à faire avec les pays qu'il a cités. Mais le président de la République s'est rébiffé devant la diaspora belge et française, en France et en Belgique. Mais il, parole, il a dit, ne faites pas de moi. Il dit, non, écoutez le chef de l'État. Ça reste consommé déjà. Mais écoute, qu'est-ce qui doit être consommé? Ce qu'il a dit précédemment. Ce qu'il a dit, a priori ou a posteriori? Mais les deux comptent. Non, mais écoute, chez nous, en droit, la nouvelle loi tue l'ancienne loi. Donc, les nouveaux propos tuent les anciens propos. Ça veut dire, le président de la République, le fait pour lui de dire, ne faites pas de moi un dictateur. Il est vrai qu'il ait des dispositions dans cette constitution qui doivent être révisitées. Je vais créer une commission où toute l'intelligence congolaise pourra se retrouver afin de discuter et nous proposer les éléments. C'est-à-dire, le président de la République a conclu tout ce qu'il a dit auparavant là-bas. Et puis, une seule fois, et je suis dans le contexte, en plus, il faut dire que le président de la République, en tant qu'une institution, si c'est un individu qui prend le micro pour parler, le président de la République est différent de moi et de Martin, puisque nous... Mais c'est quoi la différence? Puisque... c'est quoi? Je pose juste une question, maître Passimba, vous allez clore. Non, vous, c'est quoi la différence? S'il vous plaît. C'est quoi la différence entre Félix Tshisekedi qui dit sur un micro de télé qu'il faut changer la Constitution et Kabila à l'époque? À chaque fois qu'on lui posait la question sur le changement de la Constitution, il disait, nous allons respecter la Constitution. C'est quoi la différence entre les deux hommes? Si, mais la différence, c'est que Kabila dit que nous allons respecter la Constitution, mais il ne l'a pas respectée, et puis il l'a modifiée. Mais avec Tshisekedi, il vous dit que nous irons aux élections, on va respecter le premier quinquennat, nous sommes allés aux élections. Merci Tshisekedi beaucoup. Dit tout haut, tout ce qu'il faut dire, tout bas. Merci. Mais quant au propos du mot changement, le chef de l'État s'est rébiffé devant la diaspora. Il a même dit que ne faites pas de moi un dictateur. Donc toutes les intentions que la société civile, merci, diapason de Martin, peut prêter au président de la République, vous comprenez quand même qu'il l'a dit. Ça reste un saut dans le vide. Merci, il l'a dit, si, même, si dans, même devant la diaspora. Pas dans le contexte il n'a pas dit que de la diaspora dont tu as parlé là. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end chez vous. On se retrouve donc lundi chez nous ici, lundi prochain. On va donc se retrouver à la semaine prochaine. Bonne nouvelle pour la bande de la diaspora éparpillée à travers le monde. Côté d'abord est comme facile. Et ça le soutient au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tenir la bande de Kombongo. Dans ce cas-là, il y a application Sandweb au Ezali. Très facile. Au côté échangé à partir à téléphone, il y a continué la bande de Kombongo. Au Baza, na Kinshasa, République démocratique du Congo. Au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupère, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange Manila Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami Balé, ezali, que ceux qui ont téléchargé application Sandweb, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger Mokona Lelo, Marambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindambon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandweb, on a dit là, il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux.